de cette période, nous pourrions nous concentrer sur trois mecs qui déchirent tout. Sabine, ton langage. Pardon. Trois compositeurs imposent leur talent. Moi, je suis pas musicienne. J'ai découvert Mozart, j'ai découvert Haydn, j'ai découvert Beethoven. Je suis devenue complètement fan. Tout l'enthousiasme que moi j'ai vécu en préparant le spectacle, j'ai pu le mettre dedans. Sabine, on va pas traîner, hein? Hein? Allez en piste. La voix, le solfège, c'est trop compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Quand on pense musique classique, on pense rapidement musique sérieuse, solfège, harmonie, construction, forme. Mais en fait, de tout temps, les compositeurs ont mis de l'humour dans leur musique. Parce que si tu cristallises la force Z, tu transformes l'électricité de Pikachu en capacité Z. Ou bien encore... Le spectacle, en fait, c'est une sorte de grande leçon de musique. Ça nous paraît important de parler de la gamme, du mode majeur, du mode mineur. Enfin, voilà, les paramètres très importants dans le langage classique, les cadences, quand on parle de demi-cadence et de cadence parfaite, d'expliquer qu'il y a des tensions. Grosse tension. Énorme tension. Ça, je connais, même moi je connais. À l'issue du spectacle, il ne s'agit pas de devenir un spécialiste de la tonalité, il ne s'agit pas de savoir écrire la musique, il ne s'agit même pas de savoir la lire, juste de savoir l'écouter ou d'avoir envie de l'écouter. Parfois, les notes ne tombent pas pile poil au bon endroit, alors on peut leur ajouter un dièse pour les monter d'un demi-ton ou bien un bémol pour les baisser d'un demi-ton. Moi, ce que je veux transmettre dans ce spectacle, c'est du plaisir, c'est du plaisir à écouter. C'est vrai que c'est pas si compliqué que ça, c'est vrai que c'est magnifique. La musique classique, en fait, elle est là partout, quoi. En réalité, c'est là, c'est notre culture, c'est notre patrimoine. Et bien là, c'est une façon de le récupérer. Tout ça, c'est à nous. On a le droit de l'écouter avec plaisir. On n'est pas obligé de faire 15 ans d'études pour aller écouter un concert de musique classique. L'autre nouveauté, c'est le développement des nuances. Par exemple, crescendo, piano, forte,